Een dagschema is eigenlijk een visuele voorstelling van alle activiteiten die achtereenvolgens plaats gaan vinden en die dus aan het kind duidelijk maken hoe zijn dag eruit ziet. Nu, wat dat er precies opgenomen wordt in zo'n dagschema is terug afhankelijk van de noden van dat kind, van hoeveel vragen heeft het precies. En als het dagschema antwoord biedt op de vragen van dat kind, dan is het oké. Dus het kan gaan, één kind kan bijvoorbeeld maar 2 activiteiten aan, een ander kind kan een halve dag aan en sommige kinderen wordt een volledige dag eigenlijk gevisualiseerd. Ici on a établi un horaire journalier, c'est pour rassurer Pierre sur la journée et pour le rassurer aussi sur le jour de la semaine. Comme ça il sait par exemple qu'aujourd'hui on est jeudi, mais alors il a tout le programme en image de la journée qui va se passer le jeudi. Donc il sait qu'il travaille avec Cécile le matin, donc quand elle arrive. Puis après il va aller au tandem, puis il va goûter. Puis après il pourra faire des loisirs, donc choisir des loisirs. Puis alors c'est le repas du soir, puis il fait la vaisselle, il se lave, il regarde la télévision, puis il va au lit, quoi. Et c'est tellement important? Ben, oui, parce que sinon quand il se lève, il va tout de suite me demander... maman, piscine, s'il a envie d'aller à la piscine, ben alors il regarde l'horaire, il sait qu'il n'y a pas piscine aujourd'hui, ben c'est tout, il sait qu'il ne va pas à la piscine, quoi. Ici, c'est lorsque c'est quelque chose qui est pour une autre journée, pour plus tard. Donc, c'est un schéma de semaine où on lui indique ce qui pourrait se passer dans les jours qui suivent. Donc par exemple, un simple exemple, si nous décidons, ma femme et moi, et le frère d'Arthur, de partir en vacances pour un peu se reposer, et que Arthur reste ici avec mes parents, eh bien on va indiquer, par exemple, que nous revenons ce jour-là. Il sait qu'on reviendra ce jour-là. Donc ça c'est le petit frère d'Arthur. On a commencé par mettre un horaire en place pour permettre à Adam d'avoir plus de prévisibilité, de comprendre ce qu'il va faire. Par exemple, ici, bien, il a mangé. Ensuite, il peut jouer à l'ordinateur. Et ensuite, il pourra aller jouer dans le jardin. Donc pour Adam, c'est très clair, aujourd'hui on est à la maison, quand il a fini de manger, il va le prendre et dire « c'est fini ». Donc il voit très bien, la prochaine activité, c'est l'ordinateur. Et quand l'ordinateur sera, quand il aura fini, l'activité ordinateur, donc c'est fini, dans la boîte finie, et il pourra aller jouer dans le jardin. Donc ça permet aussi à Adam de savoir ce qu'il va faire après une activité. Ça permet aussi de savoir si on part de la maison ou on va. Donc là aussi, si on va par exemple à l'école ou à la piscine, alors on va mettre la photo de la piscine. Avant que vous utilisiez ce système, comment il réagissait? Adam... C'était difficile pour Adam, ça créait il avait beaucoup de frustration, il se mettait en colère, il criait, il se roulait par terre parce qu'il ne savait pas du tout ce qu'il attendait. Et surtout si on disait, s'il demandait « je veux aller jouer dans le jardin » et qu'on dit « non, tu ne peux pas le faire maintenant, après ». Pour lui, il n'avait pas du tout la notion du d'abord, après, maintenant, tout ça, il ne le comprenait pas. Donc là, ça l'aide à vraiment visualiser ce qu'il va faire maintenant et ce qu'il fera après. Et ça permet de qu'il comprenne qu'en fait, si on dit non, ben, l'activité, il l'aura après. C'est un horaire qu'on a mis en place pour aider Luna à se structurer dans la journée et se repérer. Parce que la grande difficulté qu'elle avait auparavant, c'était de toujours demander les choses qu'elle aimait bien, entre autres la piscine par exemple. Et alors, avant d'avoir un horaire, on disait la piscine c'est vendredi, c'est dans 3 jours, mais
on voyait bien qu'elle ne comprenait pas et que ça ne représentait rien pour elle de dire la piscine, c'est le vendredi ou c'est le mardi, par exemple. Donc, aussi suite aux formations que j'ai suivies à Mons, j'ai mis en place l'horaire et qui la structure vraiment et qui la rassure. Donc, un exemple concret, c'est, je reprends la piscine ou l'hypothérapie qu'elle aime beaucoup. Elle demandait quand c'était la piscine ou elle disait qu'elle la voulait tout de suite. Et on a beau lui expliquer que c'était plus tard, elle se mettait par terre, elle faisait des colères, elle pleurait et elle allait le demander, je veux dire, 100 fois de suite. C'était non-stop et répétitif. Donc ici, grâce à l'horaire, on peut dire le jour qu'on est, ce qui va se passer dans la journée. Et si elle doit poser une question par rapport à la piscine ou au cheval, par exemple, je vais au jour où se déroule la piscine, je lui montre la photo. Et du coup, elle dit, ok, d'accord. Et elle comprend que ce n'est pas dans la journée qu'il va se dérouler aujourd'hui. Et donc le matin, on essaye de lui expliquer ce qui va se dérouler dans la journée. Donc aujourd'hui, on explique le petit déjeuner qui est à table. Pourquoi ? Parce qu'en semaine, elle prend le petit déjeuner à table, mais le week-end, par exemple, elle peut le prendre dans le fauteuil. Donc ça, c'est plus spécifié ici. Sinon, ce qui se passait, c'est qu'elle voulait tout le temps aller manger dans le fauteuil. Le week-end, c'est plus relax, donc ils peuvent aller dans le fauteuil à trois. Alors oui, on remet toujours le brossage des dents. Donc ça veut dire qu'on monte pour s'habiller, brosser les dents, elle sait bien ce que ça représente. Alors aujourd'hui, il y avait la logopédie. Donc on a mis la photo de la logopède. Je lui ai mis qu'il y aurait un retour à la maison puisqu'elle ne va pas à l'école aujourd'hui, puis qu'elle allait jouer. Le repas de midi. Et alors cet après-midi, elle va à l'hôpital. Donc j'ai pris la photo de l'hôpital dans lequel elle va puisqu'effectivement, elle a des suivis différents avec différents médecins et dans différents hôpitaux. Et donc comme ça déjà, elle se repère et elle sait plus ou moins chez qui elle va aller. Et j'ai remis un picto du docteur. Donc là, l'idéal, ce serait aussi que j'ai maintenant les photos des différents médecins. Maintenant, on sait grâce à ça dire quand ça va se passer. Donc ici, elle sait qu'elle va bientôt voir ses mamies parce que dimanche, on a un anniversaire où toute la famille va venir. Et donc on peut venir lui montrer, ça sera tel jour, il va y avoir l'anniversaire. Et puis tu vas voir, j'ai pas su mettre tout le monde, mais j'ai mis des photos d'une partie des personnes qu'elle va voir pour la préparer à l'anniversaire. Mais comme ça, elle sait que c'est tel jour. Et du coup, elle accepte. Tu veux aller chez le docteur, mais papa t'a déjà expliqué 3 fois. Viens, on va aller voir là-bas, je vais t'expliquer. On va aller chez le docteur tout à l'heure. Regarde, là maintenant on a joué. Hein? Tantôt quand on aura mangé, on va aller chez le docteur à l'hôpital. Mais il faut d'abord manger. D'accord? T'as compris? Allez. Ça ne sert à rien de se dire il est de mauvaise volonté, il ne veut pas le faire, si d'autre part on n'est pas certain qu'il a compris ce qu'on voulait de lui. Donc au niveau de l'emploi du temps, de l'horaire, ça permet à l'enfant d'anticiper ce qui va se passer. Donc il sait qu'il va d'abord devoir prendre son bain, imaginons que c'est quelque chose qu'il n'aime pas trop, mais qu'après il va pouvoir regarder un DVD. Donc ça lui permet d'être peut-être plus collaborant pour certaines activités. Ça permet aussi à la personne, en tout cas quand elle grandit, une certaine autonomie, puisque l'emploi du temps est installé, on lui a appris. Et ça peut prendre des années. On lui a appris à l'utiliser. Et donc, il va pouvoir passer de l'activité le matin s'habiller à l'activité déjeuner.